Donc, il va falloir trouver des résolutions que je vais probablement pas garder, comme arrêter d'acheter trop de fringues parce que j'ai plus de place chez moi. On les tient rarement à la donation, on se dire n'en ayons pas, comme ça pas de déception, et puis on en pourra peut-être au fur et à mesure de l'année, et là on les tiendra. C'est personnel en fait. C'est que j'adore lire, et souvent quand je travaille trop, eh ben, je ne lis pas. Et c'est horrible, et là j'ai plein de bouquins chez moi, et j'ai la ferme attention de les lire. Non mais ouais, ça c'est une bonne résolution en fait. Me lever un peu plus tôt pour arrêter d'être en retard. Mais j'y crois vraiment qu'à moitié. Écoutez Despacito. Mais moi, même si on n'a plus le droit, je le ferai quand même. Ce sera ma petite Madeleine du matin pour me mettre en forme. La valse de Balanchine. Ah, ça, je pense que ça, plus jamais. Ça, par contre, jamais. Enfin, peut-être pas plus. Il y a un truc qui m'énerve, mais qu'on continuera à faire et qui n'est pas 2017, c'est les danseurs qui prennent leur cours comme ça. Comme si, tu sais, t'avais une jambe de référence, tu dis, ah ouais, non, celle-là, elle est bien. Faut la voir, ça fait... Non, mais c'est un truc bizarre. Et en vacances, en plan pourri, qu'est-ce qu'on fera de plus en 2017? Mais on n'a pas de plans pourris, même les plans pourris sont drôles. On a eu des histoires des villes de l'enfer. Bien sûr, avec cafard derrière les rideaux, ça en fera plus. Non. Ça en fera plus. Non. C'est qui? J'attends quand même... de monter de grade. Bah, y a des choses intéressantes à danser, donc ouais, j'ai pas mal d'attentes à ce niveau-là. Je sais que ça peut être très très enrichissant, très intéressant. Donc, je sais pas, j'attends beaucoup. Ouais. De fèche. Je pense que ça va être excitant et très dur. À mon avis, on va bien bien morfler, mais dans le bon sens. Y a Yolanta Kesnos. Ça, c'est vraiment un ballet qui me tient à cœur pour des milliers de raisons. Je mange, genre vraiment du chocolat, et non mais c'est trop bon pour moi. Je suis un peu plus saine pour moi, un petit peu plus... Faudrait que je m'inspire un peu des équilibres vegan, des choses comme ça. Non, je prends un peu de tout le monde, et puis voilà, enfin le conglomérat. Finalement, j'ai pas envie d'avoir de monnaie parce que... J'aime bien me sentir inspiré par les gens, mais du coup, le fait de se dire j'ai un modèle, c'est quelque part se mettre une pression inconsciente de quelque chose qu'on voudrait atteindre. De se dire ce serait bien de tendre vers ça, d'essayer de faire aussi bien. Et après, finalement, tu te juges toi-même, tout ça, et tu te dis ah, je sais pas si bien que ça. Donc, pas de modèle, pas de jugement, voilà. Ah oui, le Crystal Pite. Bien sûr. Ouais. En ce qui me concerne, ça change pas. En plus, je suis un peu superstitieuse et j'ai un peu mes tocs et mes trucs. Donc, arriver relativement à la bourre au cours, mais d'y arriver quand même. Faire mon petit truc de yoga juste avant parce que j'ai quand même besoin pour commencer ma journée. Et mettre mes pointes juste après la barre, mais après d'en faire ma barre en chaussettes. Et c'est toujours faire la même chose au même moment. Toujours à côté, à se raconter notre vie pendant la barre un petit peu. Quand même. Mais genre vraiment, c'est le travail. On rigole, on travaille. Des trucs genre des doubles assemblées où c'est toujours hasardeux d'y arriver, des doubles cabrioles où en fait j'y suis jamais vraiment arrivé, enfin des trucs dans le genre. Tu veux toujours atteindre le mieux, mais passé un certain âge, tu te rends compte aussi de. T'es très conscient quand même de tes limites et tu ne dépasseras pas 5 ou 6 pirouettes. Hein, si tu ne les as pas dépassées avant 25 ans, il n'y a pas de raison que d'un coup tu te mettes en faire 10 de plus. Ou tu le sais quand même que c'est là. Alors tu pourras rajouter une ou deux, tu vois, mais quand même, tu vois, c'est. Bah, tu creuses ailleurs, tu te dis qu'est-ce que je peux développer de plus et différemment, et c'est autre chose. Et puis c'est aussi là, je crois, les techniques, quand tu les as pas eues bien eues à 20 ans, de toute façon c'est pas à 32 ans que ça va arriver. La perfection, c'est oser être soi-même. Bonne année, bonne santé. Non, bah, continuer, c'est chouette d'avoir. L'initiative de faire une association comme ça pour que
Voilà, bah, de toujours venir supporter les spectacles, d'être toujours enthousiaste, continuer à faire les foufous tout le temps et de ne pas se prendre au sérieux.